Bienveillance, presque un concept. La seconde chose que je voudrais vous demander, c'est d'essayer ensemble de continuer à être bienveillant. Et souvenons-nous que le président de la République, pendant la campagne de 2017, nous demandait toujours d'être bienveillant. Alors la bienveillance, c'est avant tout un combat intérieur. La bienveillance, c'est une discipline. Bienveillance avec l'opposition. Nous devons être bienveillants, bienveillantes avec la presse. C'est la bienveillance entre nous. Restons bienveillants. Moi, il est le mot de bienveillance, il est merveilleux. Alors, on observe qu'il vient de la rhétorique managériale. C'est dans les entreprises où on a commencé à jongler avec le mot de bienveillance et on mettait de la bienveillance partout. Il s'est imposé dans la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et là, effectivement, il revient. Pourquoi ce mot est-il intéressant? D'une part, parce que c'est un concept mobilisateur. C'est-à-dire que c'est un mot positif avec lequel il est impossible d'être en désaccord. Si moi, je vous dis, mais enfin, soyons bienveillants, personne ne peut me répondre. Ah non, c'est un mot qui muselle l'interlocuteur. On ne peut pas être en désaccord avec lui. Et pourtant, il porte un discours derrière. C'est-à-dire que la bienveillance est utilisée pour dire, attention, on peut discuter, mais faisons-le poliment. Et au fond, derrière la bienveillance, on désarme, on disqualifie toutes les critiques radicales d'un système. Or, on a le droit de porter une critique radicale, on a le droit de porter une critique qui ne soit pas bienveillante, qui soit sévère, dure. En fait, le soignant que je suis, qui voit l'état de l'hôpital, avec en fait des soignants qui sont vraiment... Avant, on disait à bout. En fait, j'ai un autre terme, on dirait un peu des robots, quoi. Voilà. Je voudrais dire à Emmanuel Macron, ainsi qu'à tous les députés de La République En Marche, aujourd'hui, vous devriez vous concentrer sur une seule chose, c'est que le système de santé français, ça ne marche plus. Vous savez, souvent, on dit, le chantier est colossal, 30 ans d'abandon. C'est vrai, mais on leur donne 10 ans pour reconstruire. Mais on est à la fin d'une histoire, là. Là, on est dans une crise pandémique mondiale. Vous savez que les prochaines crises seront climatiques. Elles seront caniculaires. Vous savez que la santé de demain, elle doit être au cœur de l'économie et non plus broyée par des indicateurs économiques. Il y a tout un système à repenser qui serait porteur pour l'économie de demain, qui serait vecteur de nouveaux emplois. Évidemment, il faut des infirmières pour les soins intensifs quand on est en pic de pandémie, mais évidemment qu'il faut des infirmières pour faire de la prévention et du développement durable et de l'éducation. Évidemment que la santé doit être dépositaire du lien social entre les Français, doit être dépositaire de la préservation des écosystèmes. En fait, les urgences sont les premières à craquer, là. Les urgences de France ferment. Ma question est, on laisse faire? Ça ne gêne personne? Qu'on s'interroge sur la fermeture du service des urgences de Gassin, près de Saint-Tropez. Et qu'on s'interroge sur le fait que les urgences de Laval ne sont toujours pas réouvertes. Et qu'on se pose pas tellement la question sur les SMUR de toutes ces villes-là que je vous ai citées, qui sont fermées. Les urgences de Manosque, tout près de chez Christophe Castaner. En fait, le soignant que je suis, qui voit l'état de l'hôpital, avec en fait des soignants qui sont vraiment... Avant on disait à bout. En fait... J'ai un autre terme, on dirait un peu des robots, 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 des robots. Comment est-ce qu'on augmente, si je puis dire, on améliore l'humanisation de la médecine, parce que on a l'impression qu'avec les cadences infernales, le problème de la saturation, les attentes, etc., la médecine à l'hôpital, elle est de moins en moins humaine. L'humanisation, elle passe par un grand sujet qui est celui des infirmières. En France, il manque 100 000 infirmières. Le coronavirus ne va pas disparaître, il va être responsable d'un flux d'hospitalisation et de gens régulièrement. Donc il va falloir qu'on s'ancre dans la lutte durable contre cette épidémie. La seule chose à faire pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire il faut augmenter notre offre de soins. Et c'est ce qui n'a pas été fait pour le moment, c'est-à-dire que depuis finalement 2 ans de crise, on parle de comment on fait pour avoir une offre de soins de plus grande qualité, pour avoir plus de gens à l'hôpital, pour pouvoir mieux prendre en charge les patients, pour pouvoir faire du Covid et du non-Covid. Et donc toute cette stratégie-là, qui a toujours été mise par des mesures d'urgence, de passe sanitaire, de ci, de là, mais qui a complètement occulté la part de l'hôpital, il va falloir la mettre en avant, parce que si on peut
relâcher les gestes barrières. On peut peut-être reprendre une vie normale, mais pour ça, il faut qu'on ait des moyens à l'hôpital. Nous, pour qu'on lutte de manière durable contre ce flux de patients, il faut qu'on ait plus de moyens à l'hôpital. Et là, par exemple, ce qui a été proposé par l'ARS récemment, de payer des infirmières en CDD près de 30% de plus que des infirmières qui sont en poste, avec des primes qui vont de 4 000 à 7 000 euros, celles qui sont en poste se disent pourquoi je reste ? Donc elles partent. Donc en fait, il y a une incohérence dans les mesures qui sont menées sur l'hôpital par rapport à ce qu'il faudrait faire pour pouvoir lutter de manière durablement contre cette épidémie. Il faut armer l'hôpital. We'll be right back.